Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son règne. Le soutenir et l'affermir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Alléluia. Tu es ce Fils, Seigneur Jésus, qui est né maintenant, qui est assis à la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, qui va vraiment, mon Dieu, expliquer les délices de ces paroles ce matin, à travers ta parole. Afin, Seigneur, comme toi aussi, tu étais annoncé que tu deviendras une chute, un relèvement pour beaucoup en Israël, et qu'aussi tu seras et tu deviendras un signe qui provoquera la contradiction, car ton âme a été percée, afin que beaucoup de pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est pour cela, ce matin, par ta parole, mon Dieu, t'écris, mon Dieu, la différence entre celui qui te sert d'un cœur vrai, résolu, et celui qui te sert oisivement à travers la tradition. Car tu n'es pas un Dieu de tradition. Tu es un Dieu qui est vrai. Tu n'es pas une légende. Tu es une réalité. Et c'est ma prière ce matin que chaque personne ici dans ce lieu qui n'avait pas saisi, qui n'avait pas compris qui es-tu, pourquoi tu es venu naître un jour sur cette terre. Alors c'est l'opportunité, tu les donnes à saisir cette occasion et de t'accepter ce matin comme le vrai sauveur qui a quitté son trône de gloire pendant 33 ans et demi pour venir mourir pour elle. Merci mon Dieu. Que ton onction repose ce matin sur moi. M'assise pleinement, Seigneur, que les paroles que tu mettras dans ma bouche viennent par ton Esprit Saint. Que ton onction repose sur le cœur de chacun de nous ce matin, afin, Seigneur, que tu puisses révéler qui tu es à travers ta parole. Reçois la gloire, Père, la louange, l'adoration au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc ce matin, c'est un jour favorable. Afin que l'Éternel puisse nous permettre d'entendre qui est Jésus. Alléluia. Car d'ici quelques jours, dans le monde entier, sera célébrée la plus grande fête du monde. Alléluia. Qu'on appelle la Noël. Combien vont s'enivrer? Alléluia. Je précise, bien que cette fête n'est pas biblique, alléluia, c'est une fête qui est venue par la tradition qui décrit la naissance de notre Seigneur Jésus
Mais combien vont fêter cette fête traditionnellement, sans prendre égard pourquoi Jésus est venu sur cette terre, sans prendre égard qui est vraiment Jésus, ce petit enfant qui est né dans un lieu les plus déplorables que nous pouvons dire. Alléluia. Dans un mangeoir avec des animaux. Parce que c'est le lieu qu'on a trouvé pour lui. Le créateur de toutes choses. Il est l'image, celui qui est l'image du Dieu invisible. Le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est là qu'il est venu. Il est descendu au rang le plus bas de ce monde afin de nous élever à la gloire. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir que doit représenter cette fête, la Noël, pour le monde et aussi pour le peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Michée. C'est tout de suite après Jonas. Alléluia. Donc c'est après Jonas dans l'Ancien Testament. Amen. Le chapitre 5 et le verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, c'est où qu'est né Jésus. Alléluia. Il est né à Bethléem de Juda et il a été élevé à la ville de Nazareth. Amen. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Alléluia. Au jour de l'éternité. Donc, sache ce matin que Jésus, il devait venir un jour, un petit enfant, un bébé, issu du ventre, du sein d'une femme qu'on appelle Marie. Mais il s'est simplement incarné parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il avait une mission à accomplir pour le monde et pour moi et toi qui est là ce matin. Alléluia. Donc sache que Jésus, la Bible dit, ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a préexisté. Jésus n'a pas existé le jour qu'il est venu dans une crèche. Il s'est simplement dépouillé de la gloire qu'il avait. Et il est venu s'incarner dans un corps comme toi et moi. Et il a participé au sang et à la chair, comme dit la Bible. Amen. Afin que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie viennent d'un seul, comme dit la Bible. Amen. Donc sache-le, Jésus est Dieu. Il est éternel et il a préexisté. Amen. Colossiens 1 le dit. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier de toute la création. Amen. En lui a été créée toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les lois qu'on ne voit pas.
tangiblement, les visibles et les invisibles plutôt, les lois qu'on ne voit pas, ainsi de suite. Et ce qui est visible, tout trône, autorité, dignité, domination, a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est le premier né d'entre les morts. Alléluia. Jésus-Christ. Donc Jésus, l'histoire de Jésus a commencé en tant qu'homme à la crèche, oui. Mais l'histoire de Jésus en tant que Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Le commencement de Jésus, ce Dieu Tout-Puissant, a commencé à la crèche, en tant que sauveur. Amen. Mais en tant que l'Éternel, il n'a pas d'histoire. Parce qu'il est le premier. Du moins, il n'a pas de commencement plutôt, car il est le premier et la fin. Alléluia. Il vit dans l'éternité. Prenons le livre de Luc 19, l'évangile de Luc, le chapitre 19. Nous allons prendre à partir du verset 41. En parlant de notre Seigneur Jésus, l'Abbé dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus qui pleure sur cette ville, sur le peuple. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Le verset 44 dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Vous savez, la Bible dit, Jésus rentre à Jérusalem. Il pleura. Amen. Regardez le paradoxe. Pendant Jésus pleure, amen, l'état des cœurs. Prenons le verset toujours dans le même chapitre. Le verset 38 nous dit, le peuple disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Donc Jésus rentre sur un anneau comme il a été annoncé dans le livre de Zacharie et d'autres prophètes. Amen. Ce jour-là, Jésus rentre parce qu'il y a une prophétie qui s'accomplit aux yeux du peuple ce jour-là. Amen. Jour pour jour. Amen. Le peuple acclame un événement. Alléluia. Le peuple voit un homme monter sur un âne. Ils acclament un événement. Alléluia. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils acclament. Alléluia. Le peuple est en train de clamer quelqu'un qui est monté sur un âne. Un spectacle. Ils sont en train d'applaudir un spectacle. Mais ils ne savent pas qui est cette personne.
Pourtant, regardez les acclamations qui sortent dans leur bouche. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils disent dans leur bouche, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ils devaient savoir que ce roi vient au nom du Seigneur, de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ils le disent dans leur bouche. Amen. La Bible dit, quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends les disciples. Ils sont en train de blasphémer, reprends-yo. Où sont les rois, reprends-yo. Comment c'est manifesté autorité, hein? Où sont les rois, reprends-yo. Ils ont qu'à blasphémer. » Alléluia. Parce que pour les pharisiens, cet homme monté sur un âne ne vient pas au nom de l'Éternel. Au nom du Seigneur, il blasphème le peuple. Alors, quand il reprend le peuple là, alléluia. Alors ce roi monté sur cet âne dit, je vous le dis, s'il se taise, les pierres vont continuer à dire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Alors, on ne peut pas dire, arrêtez, si on dit, arrêtez, les pierres vont continuer à dire ça, on dit, arrêtez. Alléluia. Parce que Jésus faisait une entrée triomphale. Alléluia. Car il y avait une grande prophétie qui venait de s'accomplir aux yeux de son propre peuple. Et Jésus a pleuré. Jésus n'est pas rentré, frères et sœurs. Jésus n'est pas rentré dans les acclamations. Jésus n'est pas rentré dans la joie de ce peuple. Alléluia. Il a pleuré. Au lieu de se réjouir, Jésus a pleuré. Alléluia. Voici ce qu'on appelle la tradition. Alléluia. La tradition, c'est observer, faire des choses que nous-mêmes ne connaissons pas la définition, la signification. Alléluia. Ça s'appelle la tradition. Et malheureusement, dans le monde entier, d'ici quelques jours, le monde entier va observer une tradition comme la Noël. Mais ils ne connaissent absolument rien de ce fait. Alléluia. Ils vont chanter, ils vont manger, ils vont se réunir. Alléluia. Mais Jésus, qui est l'objet même de cette fête, va pleurer. Dans 80% du monde entier, pendant ces gens seront en train de festiver le nom de Jésus en vain, Jésus va pleurer. Alléluia, parce que Jésus n'est pas dans la tradition. Amen, parce que Jésus sait que ça n'a aucune valeur pour lui. Alléluia, de le fêter traditionnellement et non avec un cœur sincère. Alléluia. Pendant que beaucoup vont penser qu'ils se réjouissent et Jésus se réjouisse, le ciel se réjouisse avec eux sur la terre, c'est illusion totale. Jésus va pleurer. Jésus sera dans la tristesse. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup fêtent la Noël traditionnellement comme ces Juifs. On va clamer le Messie à travers les chants, les chanter Noël. Un enfant nous est né. Allez, mon voisin, Michaud veillait. Ainsi de suite. Mais le Seigneur ne sera pas là. Le Seigneur ne sera pas au sein de ses fêtives. Il n'est pas là. Il ne sera pas là dans grand nombre de foyers. Il ne sera pas là. Il sera attristé. Alléluia. C'est la tradition qu'on appelle ça. Et je vais vous décrire pourquoi le Seigneur a pleuré. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 9. Prenez le livre de Daniel, le chapitre 9. Amen. Daniel, chapitre 9, verset 25. «
Donc, vous savez, le peuple de Dieu était en déportation à l'époque que Dieu donne cette grande révélation à son prophète Daniel. Il était à Babylone. Donc Dieu avait châtié son peuple et les deux tribus ont été dispersées et mises, déportées en esclavage par rapport à leur désobéissance. Amen. Donc, voit-il pas que le peuple arrive presque au terme des 70 années d'esclavage. Et Daniel se met en jeûne et en prière et il se présente et plaide pour le peuple devant Dieu. La Bible nous dit que Gabriel vient, l'ange de l'Éternel, lui donner la réponse. Amen. Mais Dieu décrit à Daniel la plus grande prophétie de toute l'histoire. Une prophétie qui va commencer depuis la restauration, le relèvement de la muraille et de la ville de Jérusalem, que les Assyriens Nebuchadnezzar avaient rasé, détruit le temple et brûlé la ville, jusqu'au temps de la fin. La plus grande prophétie que Dieu révèle, amen, à son prophète Daniel. Donc, au verset 25, il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Alléluia. Donc, il y a une parole qui doit être dans le futur proclamée, un décret. Le jour que le Jérusalem sera rebâti, à partir de ce moment, il y a une horloge, un chronomètre qui va se mettre en mouvement, en route, jusqu'au Messie, la venue du Seigneur Jésus, le Messie. Amen. Quel signe que Dieu donne pour le reconnaître? Il dit, il y aura 7 semaines et 62 semaines seront, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Amen. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Je ne vais pas m'étendre parce que là, c'est vraiment un enseignement eschatologique. Alléluia. Il y a toute l'histoire, il y a des heures. Ça, c'est un événement des temps de la fin. Je vais m'arrêter sur le verset 25. Alléluia. Donc Dieu dit à Daniel que je vais te donner une prophétie qui va débuter le jour où on va proclamer un décret pour la reconstruction du temple et de la ville, pas le temple, la ville et la muraille qui a été détruite. Il y aura 7 semaines et 62 semaines, donc en tout fait 69 semaines. Sachez, ce sont des semaines prophétiques, des années prophétiques. Alléluia. Donc j'irai vite, je ne vais pas rentrer dedans. Alléluia. Je viendrai sur ça lors d'un enseignement sur les événements de la fin. Donc, la Bible dit, après ces 69 semaines prophétiques, jusqu'au Messie. Amen. Donc, si nous comptons, amen, 7 fois 7 années, ça fait 49 années. Amen. 62 semaines par 7, qui peut me dire? 7 fois 62 fait 434. Amen. Les jeunes vérifient, si je ne me suis pas trompé. Amen. Donc, 434 plus 49 fait 583. C'est bien ça. Amen. Ça veut dire que le jour quelqu'un va
décrété la reconstruction de la ville, le chronomètre partira et ces 69 années prophétiques qui correspondent à 583 années devaient correspondre le jour que Jésus rentra à Jérusalem et soit proclamé le Messie et le roi. Amen. Ce décret, vous allez le voir noté dans le livre du prophète Néhémie, chapitre 2, au verset 1, et lisez le chapitre. C'est là le décret a été proclamé, promulgué, la reconstruction du temple par le roi à cette époque, Artaxerxès. Alléluia. Ça s'est proclamé, ce décret, en 445 avant Jésus-Christ, par le roi Artaxerxès. Et il a donné cet ordre sous la conduite de Néhémie de reconstruire le temple. Et ça s'est fait. Historiquement, il est reconnu jour pour jour à partir de 445. La Bible avait dit à partir du moment qu'on va promulguer la date, le décret de la reconstruction, il y aura 7 semaines et 62 semaines jusqu'au Messie. Vous savez, de 445 jusqu'au le jour que Jésus est rentré à Jérusalem sur l'âne, fait exactement 583 années. Alléluia. La prophétie s'est accomplie à la lettre, jour pour jour, devant son peuple juif. Et c'est pour cela que Jésus a pleuré. Et il a dit, si tu savais qui te visite en ce jour, parce que Jésus a pleuré, les juifs étaient inexcusables. Parce que tous les sabbats, dans le temple, la synagogue, ils lisaient l'Ancien Testament, ce texte, que le Messie viendra. Et ils vont le reconnaître. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, c'est ça la tradition. Alléluia. Amen. Combien parmi le monde qui vont fêter Noël, on va les parler de Jésus. Combien qui mettent un oeil attentif à table pendant une famille? Combien vont prêter une oreille attentive pour entendre qui est Jésus? Combien vont prêter une oreille attentive pour entendre pourquoi Jésus est venu né un jour dans une crèche? Ou bien l'autre qui dit, quand on parle de là, de qui bite on parle moins? Parlez-moi de la Vierge Marie. On l'autre qui dit, parlez-moi de la Vierge Marie. Pas parler de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup vont, c'est ça qu'ils vont dire dans leur bouche. Pendant qu'ils ont fêté Noël, qui représente la naissance de Jésus, selon la tradition, bien sûr. Parce que Dieu a caché la date de la naissance de Jésus dans les Écritures. Amen. Il a laissé la date et la célébration de la mort de Jésus, oui. Combien aujourd'hui? Aujourd'hui, voici ce que beaucoup vont faire dans le monde. Et voici le regard que Dieu aura à travers beaucoup de foyers le jour de la Noël, le 24 décembre qui vient bientôt. Voici comme ça le Seigneur va considérer beaucoup qui fêtent la Noël aujourd'hui. Prenons le livre de Jérémie. Amen. J'ai dit 583. Personne ne m'a repris. Hein? C'est 483. Amen. Alléluia. Prenons le livre. D'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 29. La Bible dit, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, beaucoup vont penser s'approcher de Dieu le 24 décembre dans les réveillons. Beaucoup vont penser traditionnellement s'approcher de Dieu ce jour-là. Parce qu'on pense que Dieu est là dans la Noël, dans les chantés Noël.
dans les chrobes, mon qui a fait depuis l'année là pour fêter Noël, pour yo plaire réjoui qui a bon Dieu, yo ka laisser homme là trempé pour faire chrobes depuis l'année, yo ka préparer yo. Mais bon Dieu pas besoin chrobes pour réjoui qui a eu. Il besoin un cœur sincère qui accepte pour réjoui qui a eu. Oui. Alléluia, voici ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de chanter Noël pour réjouir son cœur. Amen. Ça ne réjouit pas son cœur. Parce que tu vas chanter Noël, tu demeures pour Dieu dans la mort toujours. Ça ne te sauve pas. Alors ça ne réjouit pas encore son cœur. Alléluia. Si tu fêtes la Noël avec l'idée dans ton cœur que tu étais un homme mort, une femme mort, oui. Et tu as besoin d'un rédempteur, comme les chansons disent, le rédempteur vient. Alléluia, on le chante dans Chanter Noël. Voici le rédempteur. Noël, voici le rédempteur. Mais je vous laisse, ça, vous parlez des rédempteurs là. Et que vous parlez moi de Marie. Parce que moi, c'est au nom de Jésus, Marie, qui a prié, pas prié au nom de Jésus. C'est ça la religion à prendre moi. C'est Marie qui a prié, elle n'a pas prié Jésus. Mais il y a chanté, voici le Rédempteur. Pourquoi il y a chanté, voici le Rédempteur? Parce qu'elle prend un verre plus alors. Alléluia. Pourquoi tu chantes, voici le Rédempteur? Donc tu es dans la tradition. Alors Jésus te regarde et il pleure. Parce que tu ne le reconnais pas. Et si tu pouvais, c'est la même réalité aujourd'hui. Ou quand parler qui mouni Jésus pendant mon café de Noël, qui semblerait être la naissance, la date de la naissance de Jésus, je dis bien traditionnellement, eh bien on fait comme ces pharisiens. Ils ont dit, paix en tête à moi, pas parlant de Jésus, mais Jésus a dit, mon Dieu, là dans la tradition, si vous n'avez pas entendu qui m'ont dit le vrai rédempteur, les pierres que fait entendre quand même, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Jésus, le roi qui rentrait, le roi des rois aujourd'hui, il n'est pas dans une crèche, il est le Seigneur de gloire, assis sur son trône de gloire aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il continue, quand tu veux ou pas, il va te faire savoir qui il est. Même dans ta tradition, et si tu le rejettes, tu sais ce qui t'attend jour. Il est le même, il était sur une âne, il a dit ça aux pharisiens, mais il est sur son trône, il dit la même chose aujourd'hui à tout cœur qui le rejette. Alléluia. Donc la Bible nous dit, verset 29, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont chanter « Michaud veillait. » Ouvre Michaud dans la Bible. Ouvre Michaud qui a veillé dans la Bible. C'est toi à veiller sur ta vie ce jour-là. C'est toi à veiller sur ta vie le jour du 24 décembre pour savoir qui est Jésus, pourquoi il est venu naître pour toi. Tu dois veiller sur ton âme afin que ton âme ne se perde pas. Dans les fêtives, dans la tradition. Amen. Ce n'est pas Michaud Veillet qui doit veiller pour toi. C'est toi qui dois veiller ce jour-là sur ton âme afin que ton âme ne se perde pas. Alléluia. Jésus te donne une opportunité de veiller ce jour-là sur ton âme, pas sur Michaud Veillet. Michaud Veillet ne veille pas sur ton âme. C'est toi qui dois veiller ce jour-là sur ton âme. C'est une bonne opportunité de veiller sur ton âme parce que Jésus est venu pour cela. Amen. La Bible dit, mon nom de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors tu comprends quand je te dis, tu peux fêter, tu peux chanter Noël, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux griller le gigot de cochon le plus cher, le plus bien grillé qu'il faut. Jésus pleure ce jour-là, si tu ne le reconnais pas comme ton Messie. Il pleure. La tradition ne réjouit pas le cœur de Jésus. Comprenez-le ce matin. Alléluia. Il le dit lui-même là. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi. On pense craindre Dieu dans les festives. La Bible dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Alléluia. Voici ce que Dieu décrit
par la crainte des hommes, qui pensent craindre Dieu selon leur propre sagesse. La Bible appelle ça un précepte de tradition d'homme. Parce que ce sont des préceptes de tradition d'homme qu'on nous invite à travers les fêtes, à travers toutes sortes de choses, de fêtes, de craindre Dieu. Yo apprend nous à travers la Noël, après Rebelot, c'était carnaval après, parce que carnaval qui fait partie de la tradition. Nous qui avons votre nous, à péché, à toute qualité, breuvage spirituel, abomination. Alléluia. Parce que allait ni groupe carnaval qui a représenté idole à yo allait en carnaval allait en défilé. Après ça, nous qui venons qu'on dit un petit Jésus en bocal, nous qui passons par en purification de toute abomination nous nous fait à travers 40 jours de carême. Et nous qui trouvons satisfaction pour écher à faire pèlerinage pendant la Pâque devant démon. Posternez-nous devant une statue qui a pleuré soi-disant, mais son démon qui a mis de l'eau en zier à ces statues faites de main d'homme. Et nous allons comprendre qu'un monde déifié au-dessus de Jésus comme médiatrice qui intercède en faveur de nous. Quelle abomination! Et nous allons comprendre que Jésus là, il n'est pas là dans ces choses. Le diable est là. Il est là. Pendant la Noël, il y a plus de peuples qui vont régir le cœur du diable que le cœur de Jésus. Pendant qu'il y a diable qui a réjoui, qu'il y a Jésus qui a pleuré pendant la Noël. Alors, très peu vont réjouir le cœur de Jésus. Ce sont ceux qui connaissent pourquoi il est venu naître. Ceux-là vont réjouir le cœur de Jésus. Mais pas les autres. Ils vont le prendre traditionnellement. La Bible dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres et de la bouche. C'est tout. Michaud chez vous, Michaud veillait. Allez mon voisin, un enfant nous est né. Alléluia. C'est ça. Ça n'a pas réjoui qu'à Jésus. Ça ne l'honore pas. Ça, c'est des lèvres et de la bouche. Mais leur cœur est éloigné de moi. Alors, si ton cœur est éloigné de Jésus, même si tu le proclames les chants, il n'est pas là. Alléluia. Parce que c'est un précepte de tradition d'homme. Jésus n'est pas dans la tradition. Il est dans la relation. C'est là où on trouve Jésus. Pas dans la tradition, la relation avec lui, oui. Et comment être en relation avec Jésus? En suivant les préceptes de sa parole et en obéissant. Il est là, oui. Amen. Donc nous allons brosser un peu l'origine de cette fête dans la Bible. Mais je dis bien, ce n'est pas dans la Bible que cette fête est sortie. Quand je dis brosser, ça veut dire où les hommes ont pris la sauce de cette fête. Amen. Prenons le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2. Au verset 8, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Voici le signe qui devait reconnaître le roi, le Seigneur Jésus. Il devait le trouver couché, emmailloté dans une crèche. Amen. Aujourd'hui, sache que Jésus n'est plus dans la crèche. Alléluia. Alors, si tu veux trouver Jésus ce matin, toi qui es là, tu n'as pas encore trouvé Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas trouver Jésus dans une crèche au 21e siècle. Alléluia. Tu ne peux pas le trouver là. Ça, c'était en l'an zéro. Mais là, tu ne peux plus trouver Jésus dans une crèche. Amen. Jésus est sur le trône de gloire. C'est là que tu peux le trouver aujourd'hui. Jésus, sur le trône de gloire, assis à la droite de la majesté divine. Il n'est plus dans une crèche. Alléluia. Maintenant, voici ce que dit la Bible. Tu veux trouver Jésus aujourd'hui? Ne le cherche pas dans la tradition. Ne le cherche pas à travers le festif de Noël. Alléluia. Le prophète Ésaïe nous donne la réponse. Il nous dit dans le chapitre 55. Alléluia. Il dit, cherchez l'Éternel. Verset 6. Tu veux trouver l'Éternel aujourd'hui? Amen. Ne va plus dans une crèche. Ça veut dire le sapin que tu as chez toi avec la crèche ne sert à rien. Tu ne vas pas trouver Jésus là. Tu peux mettre ton sapin 3 mois avant la Noël chez toi avec les guirlandes les plus chères, les plus illuminées. Tu peux décorer ce sapin, cette crèche avec les plus beaux animaux qui existent. Tu ne vas pas trouver Jésus là. Ça, c'est toujours la tradition. Tu ne peux pas trouver Jésus là non plus. Jésus n'est plus dans une crèche. Jésus ne vient pas bébé chaque année. Alléluia. Et Jésus ne meurt pas chaque dimanche. Quand tu prends l'hostie, Jésus ne se fait pas crucifier tous les dimanches. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Tu ne peux trouver le pardon de Jésus dans l'hostie. Un sujet qui est devenu un culte d'adoration pour les fidèles. Alléluia. Aujourd'hui, dans la religion du paganisme, tu ne trouves pas Jésus là. Jésus est sur son trône de gloire. Alléluia. Donc ça ne sert à rien. Alléluia. Et frères et sœurs, toi qui es déjà sorti dans la tradition, ne mets pas de sapin de crèche chez toi. Parce que tu es encore dans la tradition, je vous le dis ce matin. Tu es chrétien, tu n'as pas besoin de mettre crèche et sapin chez toi. Ça veut dire que tu fais un recul en arrière d'un pas. Il y a quelque chose dans la tradition qui est encore dans ton cœur. Vous savez, les Hébreux, le peuple hébreu, le peuple de Dieu, avaient quitté l'Égypte. Ils n'étaient plus en Égypte. Mais l'Égypte était dans leur cœur. Alléluia. Ils n'étaient plus en Égypte, physiquement. Mais l'Égypte, spirituellement, était dans leur cœur encore. À moins de reprises, ils voulaient retourner. Et Dieu a bien mis une marque de démarcation pour bien montrer le sens. Quand Dieu te retire, il ferme derrière toi. Même si tu veux, il y a des choses qui te plaisent encore, qui te chagrinent dans l'Égypte, tu ne peux pas retourner. Et il a fermé la route par la mer Rouge.
Quand tu es sorti de l'Égypte, qui est le monde pour nous, tu ne peux plus retourner. La mer Rouge a mis un frein, un sens interdit. Ils regrettaient le concombre. Ils regrettaient les courbouillons, les grillages des viandes sacrifiées aux idoles de Pharaon et autres. Les tenis problèmes, ils étaient qu'à peiner, ils étaient qu'à dire, ah, nous qu'à regretter ça. Ils oubliaient qui était devant eux, le Dieu, le Créateur qui les a fait sortir à main forte. Alors aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sapin, tu n'as pas besoin de crèche. Qu'est-ce que tu fais de ça chez toi? Jésus est sur le trône de gloire et si tu l'acceptes, il est sur le trône de ton cœur. Tu vois bien, il n'est pas un bébé. Il est adulte. Alléluia. Il est mort à 33 ans et demi. Alors il ne peut pas retourner bébé. Alors comprends ça. Si tu acceptes Jésus, oublie la tradition. Que ça plaise ou pas à tes proches, oublie la tradition. Alléluia. Car Jésus n'est pas la tradition. Jésus est une relation. Amen. Dans la Bible dit, cherchez l'Éternel, Ésaïe 55, verset 6. Pendant qu'il s'y trouve, où tu peux chercher l'Éternel? Dans les chantiers Noël? Dans la crèche? Non. La crèche est vide. Va chercher à Bethléem Jésus dans la crèche, comme les bergers ont fait. La crèche est vide, Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus dans la crèche, ça fait près de 2000 ans. Il n'est plus dans la crèche. Donc tu ne peux plus prendre cet itinéraire. Tu dois prendre un autre itinéraire. Un itinéraire de ton cœur maintenant. Alléluia. Tu ne peux plus courir comme les bergers. Ils se sont empressés de courir, aller voir, chercher qui est Jésus. Aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser tes pieds. Parce que la crèche à Bethléem, même si tu vas, elle est vide. Jésus n'est plus là. Donc tu dois chercher Jésus avec ton cœur aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Il est prêt à entendre. Parce qu'il y a un moment, tu vas l'invoquer, ses oreilles sont fermées. Il y a un moment, tu peux trouver Dieu. Il y a un moment, tu peux l'invoquer. Il y a un moment, tu ne pourras plus le trouver et plus l'entendre, non plus, parce qu'il ne t'entendra plus. C'est le jour où nos deux yeux se ferment sur le mont Thérien. C'est fini. On ne peut plus chercher Dieu et on ne peut plus l'invoquer. C'est fini. Amen. Et comment chercher? Invoquer le Seigneur, le prophète Ésaïe nous le donne, la démarche. Que le méchant abandonne sa voie. Tu veux chercher? Allez, pas avec Michaud, chez dans la crèche, dans chez mon voisin, à pas là où tu trouves Jésus. Pas chez Jésus, à ta voisin là, avec Michaud, parce que ça où tu trouves ce homme. Alléluia. Et où que tellement trouvé homme, où que vomi. Ou que lever demain, tête à faire mal. Parce que là, nous pouvons à homme, c'est mal tête, nous n'y après. On connaît ça bien, on passe par là. Alléluia. Et nous oublions tout ça, nous fait. Alors même si vous parlez, nous qui m'unité Jésus, je vous laisse nous oublier. Parce que Jésus pas dans la tradition c'est saoulé, c'est boulé, et ainsi de suite. La Bible dit que l'homme méchant abandonne sa voie, la voie de la tradition. Tu veux trouver Dieu, tu veux l'invoquer, arrête la tradition. Amen. La Bible dit que l'homme méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à son Dieu qui ne cesse de pardonner. Voici la manière de chercher Dieu le 24 décembre.
Alléluia. Voici la manière d'invoquer le Seigneur le 24 décembre. Abandonne tes voies et change tes pensées. Car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu n'est pas la tradition. C'est un précepte de tradition d'homme. Ce n'est pas la voie de Dieu, ça. Tu ne peux pas trouver Dieu là. Alléluia. Tu peux trouver Dieu avec ton cœur. Tu peux l'aimer avec ton cœur, pas avec la tradition. Alléluia. Donc sache aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit que les anges ont couru pour aller voir qui était le Seigneur Jésus. Amen. Donc, est-ce que c'est un jour, est-ce que le 24 décembre sera un jour pour toi? Tu vas te précipiter comme ces bergers à aller connaître qui est Jésus. Amen. Est-ce que c'est un jour favorable pour ramener notre réflexion, de méditer pourquoi Jésus est venu naître pour moi? Amen. Est-ce que c'est pour fêter ce jour seulement et arrêter là et attendre 365 jours encore pour refêter? Amen. Non, ça c'est pas la Noël. Ça c'est la tradition des hommes. Est-ce que nous avons un désir, lorsque ce jour-là nous parle de Dieu, de Jésus, avons un désir dans nos cœurs pour vraiment aller le recevoir? Amen. Courir aller le recevoir, comme ces bergers, le voir. Donc sache, ce matin, tu ne peux pas voir comment est le visage de Jésus, parce qu'il n'est pas dans une crèche. Tu veux voir comment est le visage de Jésus aujourd'hui? Je vais te le décrire, je vais te montrer comment tu peux voir le visage de Jésus aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus dans une crèche. Les bergers ont vu son visage. Les bergers l'ont vu. Mais comme il n'est plus dans une crèche, comment tu peux voir son visage aujourd'hui? Nous allons le voir. Je vais t'inviter à voir le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce jour-là, bien sûr, c'est un jour aussi qu'on échange des cadeaux. Ce jour-là, on échange des cadeaux. Et malheureusement, cette fête est venue la plus grande fête commerciale du monde aujourd'hui. La fête de Noël est devenue la fête, la plus grande fête commerciale mondiale aujourd'hui. Alléluia. Yo ka fè moun levé à 4h du matin, sorti baïf, prenne noir bastè pour remplir chariot à yo. Yo ka quoi Jésus a dans ça? 40% de réduction. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la plus grande fête commerciale qui existe aujourd'hui. Mais est-ce qu'un jour-là, ça, nous pouvons laisser parole à bon Dieu, l'Esprit de Dieu, faire commerce en cœur en nous pour parole aille. Faire commerce en cœur en nous pour parole aille. Pour trier ça, il n'y a pas de Dieu, jeter ça qui est dans la transition. Et admettre ça qui peut mettre nous en relation avec le Seigneur. Alléluia. J'ai vu l'autre jour à Carrefour, un homme. Après tant d'heures de quai, il sortit un chariot et avait un petit, qui j'en craque ça, pack de 6 petites bouteilles d'eau, avait 2 bitins seulement. Vous ne voyez pas ça, c'est une forme d'idolâtrie. Pour ça seulement, vous pouvez rentrer là et un grand chariot est sorti avec ça seulement. Alléluia, c'est du commerce. Alléluia. Et rien ne nous étonne.
Parce que c'est le monde du diable aujourd'hui. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, je dis bien qu'il n'y a rien de mal, hein, de profiter des promotions. Même si ça tombe un jour à Noël. Et même si nous pacaillons pour acheter bitin pour nous fêter Noël. Alléluia, c'est une promotion. Nous sommes en tant que chrétiens, c'est normal que nous bénéficions. Mais pas lever-nous à 4h du matin quand même. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que c'est même où on a ça, où tu as une prospective pour venir à 4h du matin, coûter l'évangile à la conférence d'évangélisation, tu as dit un autre mot, Ninis, 8 mois. À qui l'a qu'à lever moi, faire manger à moi. Il y a toujours un prétexte. Mais laissez-moi être comme ça, pas ni prétexte. Hein? Parce que quand vous avez un petit bébé à vous, en main à vous, vous avez déjà levé à 10h du matin parce qu'il faut être là à 4h du matin, si vous avez été basté. Vous avez déjà levé, vous avez bâti bébé là, manger, vous avez élevé, vous avez changé de couchage et vous avez fait manger là. Alors, pas ni pas prétexte, laissez pour venir tendre Jésus. Alléluia, les gens servent de prétexte. Et quoi Jésus a dans festive. Mais le Seigneur pleure. Il n'est pas là. Dans la course du monde, on ne le voit pas autour. Chaque année, laissez courses. Pourquoi avec des mères, des familles, ils ont un petit bébé en bras, pour même y en a. À 6h du matin, ils ont déjà son l'ombrage pour ouvrir course, peut-être quelques minutes. Mais on te dit qu'il y a en conférence d'évangélisation, 20 ans l'amour de Jésus, 20 ans Jésus qui a sauvé. Je te dis, ah, en irreligion, moi. Je te dis, ah, mais un petit bébé à 8 mois. Mais laissez pour course. Petit bébé à 8 mois, pas dérangé, ou de venir dans la rue, au détriment même des pètes via petit bébé là. Parce qu'on voit un petit dérapé et choper un petit mouna, je vois ça. Alléluia. On cherche toujours des prétextes qu'il s'agit de venir entendre la parole du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on se donne des cadeaux, on s'échange de cadeaux ce jour-là. Amen. Mais ce jour-là, il faut savoir le cadeau en la personne de Jésus est un cadeau qui dure toujours. Les cadeaux, on va te donner ce jour-là. Un jour, va être cassé. Un jour. Mais le cadeau que Dieu veut te donner ce jour-là, c'est un cadeau qui ne passera jamais. Car c'est la personne même, le don de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. C'est un cadeau que tu pourras utiliser tous les jours de ta vie. Ce cadeau, il ne passera jamais. On te donnera un cadeau, tu vas l'utiliser un moment après, tu vas l'oublier, tu vas le mettre dans un coin où il va se casser. Mais le cadeau que Dieu veut te donner est un cadeau qui ne passera jamais. Tu l'auras tous les jours et pas uniquement le 24, le 25 décembre. Alléluia. Tu pourras célébrer ce cadeau tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, au verset 10, Luc 2, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Dont la naissance du Seigneur Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Elle est personnelle, elle est positive et elle est universelle. Alléluia.
Donc ce matin, nous allons voir, frères et sœurs, je vous disais comment savoir comment est le visage de notre Seigneur Jésus maintenant. Le message de la Bible entière converge vers une réalité, le salut. Amen. Le salut. Et vous savez, la naissance de Jésus a permis de diviser l'histoire en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce qui confirme que le Seigneur Jésus est un vrai homme, il est venu vraiment et est né sur cette terre. Donc, le message de la Bible entière converge vers une réalité qui est le salut. C'est l'objectif de la naissance de notre Seigneur. Et converge vers un personnage qui est le Messie. Alléluia. C'est au travers de toute la Bible qu'apparaît la figure de Jésus. Amen. C'est au travers de toute la Bible apparaît la figure de Christ, pas comment il est dans une crèche le 25 décembre. Amen. Nul écrit ne saurait remplacer la consultation des saintes Écritures. Et Jésus l'affirme. Amen. Jésus l'affirme. Vous savez, lorsqu'on fête l'anniversaire de naissance de quelqu'un, parce que la Noël est une fête de l'anniversaire de naissance de Jésus, selon le monde, Noël veut dire naissance. Amen. C'est pour ça qu'on dit joyeux Noël. Lorsque nous fêtons notre fête anniversaire de notre naissance, on nous dit joyeux anniversaire. Bonne fête. Amen. Mes frères et sœurs, il est dommage de constater chaque année celui qui fait objet de sa propre fête, entre parenthèses, n'est jamais présent. Alléluia. Vous savez, imaginez chaque année notre frère fête son anniversaire de naissance, on boit, on mange le gâteau à son anniversaire, on trinque à son anniversaire de naissance, on parle de lui en bien, bien sûr, mais il n'est jamais là lors de cette célébration. C'est exactement la réalité pour la Noël. La personne soi-disant honorée comme l'hôte principal de cette fête, la naissance de Jésus, il n'est jamais là. Parce qu'il n'est jamais honoré dans cette propre fête qu'on prétend la naissance de notre Seigneur Jésus. Il est dommage de constater la personne même qui fait objet de cette fête n'est jamais là dans la tradition. Et loin de là, en contrepartie, ce sont d'autres personnes, personnages fictifs, qu'on vénère à sa place lors de sa propre naissance, anniversaire de naissance. Alléluia. Tels que le Père Noël, Michaud Chevré, ainsi de suite. Ce sont ces gens qu'on honore le jour de la naissance prétendue de Jésus à la Noël, le Père Noël, au lieu de vraiment cette personne Jésus. Il n'est jamais là, parce qu'on ne parle pas de lui. On mange, on boit, on ne parle pas de lui. Si on parle de lui, c'est une manière fugace, furtif. C'est dire parole, mais pas parler trop d'elle, parce que ça a dérangé, ça a risqué de déranger la tradition, nous. Parce que dans la tradition, nous, c'est Marie nous connaître.
Et il faut l'admettre, c'est ça qu'on nous a appris. On n'a pas menti, basot, menti catholique. Alléluia. Je n'y peux rien, c'est ça qu'on a fait. On l'a déifié au-dessus de Jésus. Mère de toute grâce. Mais la Bible a dit toute grâce excellente et tout don parfait vient de Jésus. Alléluia. En lui n'a plus changement ni ombre de variation. Et il est le Père des esprits. Il a tout créé. Les visibles, les invisibles. Alors c'est à Jésus nous devons donner gloire. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, 1 Timothée 2:5. Pas ni mon éveil. Il payait parfaitement. Alléluia. Alors si tu fêtes la fête de Noël, conçois dans ton cœur, tu es mort, tu as besoin d'un rédempteur. Parce que l'abbé dit dans Romains 3 que c'est par grâce nous sommes sauvés. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui a une Bible qui est marquée avec la Vierge Marie? Qui a cette version? Qui est marquée au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ plus la Vierge Marie? Qui a cette version dans sa Bible? Pas mon version là, ça n'a pas existé, puis j'ai insisté. Parce qu'il y a un seul médiateur. La Bible dit, nous étions morts, c'est par grâce que Dieu nous a sauvés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Car c'est lui seul que Dieu a destiné aux victimes propitiatoires pour tout le monde. Soit sauvé, non. Pour ceux qui croient en lui. Si tu ne crois pas en Jésus, pourquoi il est venu naître sur cette terre, il a grandi, pourquoi il est mort et tu ne l'acceptes pas comme sauveur et Seigneur, tu mourras dans tes péchés, même si tu célèbres la fête tous les 25 décembre. Parce que c'est lui seul que Dieu a destiné comme sacrifice expiatoire pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Donc si tu ne crois pas à ce qu'il fait, tu peux chanter Noël, tu peux te saouler, tu peux faire ce que tu veux, le Seigneur sera dans la tristesse. Parce que le jour où il est rentré à Jérusalem, les Juifs devaient le reconnaître et l'accepter comme leur Messie. Et on l'a accepté comme la tradition. On l'applaudit comme un spectacle. Et aujourd'hui, dans le monde entier, à 80% des hommes et des femmes et des jeunes vont acclamer Jésus, chanter Jésus comme un spectacle. Comme quelqu'un qui est venu, nous apprendre, il nous a mon nom à Jésus, il naît, et c'est tout, comme un spectacle. Alléluia. Nous qui battons tambour, comme un spectacle, c'est tout. Et Jésus va pleurer. Il qui pleurer plus encore. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qui nous nie, nous ni la Bible. Alléluia. Alors nous sommes inexcusables devant le Seigneur. Maintenant, tu veux voir comment Jésus est maintenant? Ne mets pas de crèche chez toi. Je vais te montrer comment le visage de Jésus est. Tu n'as pas besoin d'aller boire une crèche, parce qu'il n'est plus dans la crèche. Alléluia. Et il a souffert la croix, l'abbé dit, mépriser l'ignominie. Et il est monté à la gloire de Dieu maintenant. Élevé maintenant à la perfection qu'il est. Il n'est pas un bébé, il est élevé à la perfection. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui chantent Noël. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui observent la tradition. Non, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Même si l'abbé dit, Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que le monde ne périsse, mais dit bien, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, et la vie éternelle. Même si Jésus a payé pour toute l'humanité, c'est fait.
il a déjà payé. Il a payé pour ceux qui étaient morts avant sa venue, les patriarches, depuis dans la dispensation ancienne. C'est comme ça les juifs, les patriarches qui, et les gens qui suivaient les traces d'Abraham dans la foi ont été sauvés. Quand Jésus a payé ce jour-là pour ces gens aussi. C'était le sang des animaux qui coulait à chaque péché, qui anticipait un jour en tant que substitut. Jésus a payé pour le passé, Jésus a payé pour le présent et Jésus a payé aussi pour le passé, le futur, tous ceux qui vont naître. Ceux qui ne sont pas encore nés, Jésus a déjà payé aussi. Donc, il a payé pour le salut de l'humanité. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé, même s'il a tout payé. Uniquement ceux qui obéissent à ce qu'il demande. Alléluia. Ce qu'il demande, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il est là. De l'invoquer. De changer de voie. Et de penser et de retourner à l'auteur de la vie. Le grand berger, l'évêque de notre âme, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, voici comment le trouver. Amen. Jésus l'affirme hautement. Jean, chapitre 5, l'évangile de Jean, le chapitre 5. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Gabriel a dit au berger, le signe par lequel vous allez reconnaître le Seigneur Jésus, il sera dans une crèche, un mangeoire. Alléluia, avec les animaux. Amen. Maintenant, voici, là tu peux trouver Jésus. Maintenant, pas dans un mangeoire, pas dans une crèche, pas dans un sapin. Alléluia. Vous sondez les Écritures. Là, tu peux trouver Jésus, ton Seigneur, à travers la parole de Dieu. Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Là, tu peux trouver Jésus. Jésus même qui nous le dit. Vous pensez avoir elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. C'est elles qui rendent témoignage de moi. Parce que la parole décrit Jésus venu mourir. Avant de mourir, il est né. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité par la gloire du Père. Pour fonder et bâtir son église. Alléluia. Et je vous précise que Jésus, nous l'avons vu, était le Créateur. Regardez dans la Bible les mages qui sont allés vers Jésus. La Bible nous dit que les mages sont venus adorer Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu. Parce que si les mages auraient adoré un homme qui n'est pas Dieu, ce serait grave. Le jour que Pierre est rentré chez Corneille, Corneille s'est prosterné à ses pieds. Pierre l'a repris. Et il a dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Je suis un homme comme toi. Parce qu'il est marqué, tu ne te prosterneras point devant aucun autre Dieu, sauf devant Dieu.
Lorsque l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu les anges et il s'est prosterné devant l'ange. L'ange lui a dit, non, lève-toi, je suis un compagnon de ton service, envoyé en faveur des saints. Mais la Bible dit, les mages ont adoré Jésus, car Jésus était Dieu. Donc tu comprends aujourd'hui que Jésus n'a pas reçu l'Esprit de Dieu le jour de son baptême? Parce que je n'ai jamais vu Dieu qui n'a pas son Esprit. Si on adorait Jésus depuis bébé, il était Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu depuis sa naissance en lui. Alléluia, ça je l'explique au cours des baptêmes, que Jésus n'a pas reçu l'Esprit de Dieu le jour de son baptême d'eau. Jésus avait déjà l'Esprit de Dieu. Ça je l'explique dans les cours de baptême. Alléluia. Donc c'est une réalité. Si Jésus n'avait pas l'Esprit de Dieu, il n'était pas Dieu. Et si les mages sont adorés, il était Dieu. Et s'il était Dieu, il avait l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il a reçu son onction après son baptême. L'onction, oui, du Saint-Esprit, mais pas l'Esprit de Dieu. Il avait déjà l'Esprit de Dieu. Amen. Il était Dieu. Il s'est fait Dieu homme afin de nous faire des hommes Dieu un jour. Et c'est notre héritage éternel. Amen. Donc maintenant, toujours Jean, chapitre 20 maintenant pour conclure. Et verset 31. Jésus a dit, vous sondez les Écritures en croyant trouver la vie éternelle en elle, et vous faites bien parce que c'est elle qui rend témoignage de moi. Jean 20, 31. Jésus dit encore, par ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Maintenant, je vais maintenant te faire un appel maintenant. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas te présenter le Père Noël. Je vais te présenter le Père Céleste. Je ne vais pas te présenter des cadeaux qui est là pour un moment et qui ne peut contenir, satisfaire tes besoins de toute l'année, mais un cadeau que tu auras tout pleinement dans ce cadeau. Alléluia. Et ce cadeau, c'est le salut éternel en la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il y a un homme qui a reçu ce cadeau avant de mourir. Et si tu ne reçois pas ce cadeau avant de mourir sur ce mont terrien un jour, tu connaîtras le tourment éternel. Même si tu as pratiqué à la perfection toute forme de tradition qu'on t'a appris, entre autres chanter Noël et fêter Noël. Amen. Prenons Luc et le chapitre 2. Cet homme s'appelle Siméon. Rien n'était plus précieux dans la vie de cet homme quand il a foulé ce mont terrien. Il attendait son cadeau de Noël. Il a eu. Et il est parti dans la paix. Luc chapitre 2. Alléluia. Le verset 25. «
Alléluia. Nous n'allons pas prendre depuis le verset 25. Nous allons prendre le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Cet homme s'appelle Siméon. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, amen, il le reçut dans ses bras, Siméon. Amen. Il prend son cadeau dans ses bras, le Seigneur Jésus. Bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur, en parlant de lui, s'en aller en paix selon ta parole. » Alléluia. Car il avait été dit de Siméon, averti divinement, qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. C'est marqué au verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Est-ce que tu veux ce matin, toi qui n'as pas encore reçu ce cadeau du Père Noël avant de mourir un jour sur cette terre, comme Siméon. Alléluia. Et dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de salut. Les yeux de Siméon ont vu Jésus comme le prince du salut. Ce matin, Dieu t'invite à ne pas aller dans une crèche voir Jésus. Il n'est pas là, mais tu peux voir le salut à travers le Seigneur Jésus que tu peux recevoir aujourd'hui dans ton cœur. Siméon l'a tenu dans ses bras, mais Dieu t'invite à le tenir ce matin dans ton cœur et le recevoir. Le salut. Alléluia. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Et il prophétise. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Est-ce que ce matin, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, puisse être pour toi un signe qui provoquera la contradiction dans ta vie. Et où est-ce que tu le laisses contredire maintenant tout ce que tu as appris, reçu et détiens encore dans la tradition? Est-ce que ce matin, tu veux que la prophétie de la bouche de Siméon s'accomplisse à ton égard, qui est devenu une chute ou un relèvement pour toi? Alléluia. Veux-tu ce matin, le Seigneur te donnant ce cadeau, te relève dans la perdition, la chute que tu demeures jusqu'aujourd'hui? Voici le cadeau que le Père Céleste veut t'offrir ce matin. Pas le cadeau du Père Noël. Le Père Noël, c'est un personnage fictif. Dieu ne le connaît pas, il n'est jamais venu du ciel de la part de Jésus. Mais le Père Céleste envoie quelqu'un de sa part et de la part du ciel. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là et il a le cadeau à ses mains. Alléluia. Et il a le cadeau à ses mains comme Siméon avait ce cadeau dans ses mains. Et il veut te le donner. Alors ouvre ton cœur simplement. C'est ce qu'il te demande. C'est pour cela ce matin, si quelqu'un veut dire, Seigneur Jésus, je suis conscient que je suis dans une chute
vers la condamnation éternelle. Tu es venu me sauver. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il a été donné sous le ciel, le seul nom par lequel tout homme puisse être sauvé, le nom de Jésus-Christ. Alors si tu veux ce cadeau ce matin, le cadeau du Père Céleste en la personne de Jésus, un cadeau que tu vas déballer, alléluia, car dans ce cadeau est enveloppé tout ce qu'est Jésus. Alléluia. Bien souvent, la Noël, nous oublions parfois de déballer le cadeau. Alléluia. Mais dans l'emballage de ce cadeau est tout ce qu'est Jésus. Tu l'auras tout pleinement. Alléluia. Donc alors ce matin, je lance cet appel pour ceux et celles qui veulent dire « Seigneur, je veux cette année soit la plus belle fête de Noël qui existe pour moi. Je veux te recevoir comme le cadeau, pas du Père Noël, mais du Père Céleste. » Alléluia. Les enfants, les jeunes qui ont l'âge de la raison, vous aimez les cadeaux du Père Noël? Ce matin, le Seigneur t'offre le cadeau du Père Céleste. Veux-tu le recevoir ce matin? Alléluia. Le salut est valable pour les enfants également. Je le répète, les jeunes, ne pensez pas lorsque vous venez à l'église avec vos parents que vous serez sauvés. Tu seras sauvé à la mesure où tu reçois dans ton cœur le Seigneur Jésus également. Amen. Donc c'est valable pour les jeunes aussi. Toi qui as l'âge de la raison, tu peux accepter le Seigneur aussi dans ta vie. Et je crois que c'est un moment favorable au 21e siècle que nous vivons, parce que tu en as besoin. Les jeunes n'ont plus que jamais besoin du Seigneur Jésus dans leur vie. Dans tout ce que vous êtes confrontés chaque année, chaque jour, dans les établissements scolaires. Alors si tu veux ce cadeau ce matin, c'est le meilleur cadeau. Et tu pourras le partager avec tous ceux. Tu auras l'opportunité de te réunir pendant cette fête. Alors lève ta main si tu le veux ce matin. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont levé leurs mains, mettez-vous debout. Et avancez pour recevoir ce cadeau. Alléluia. Ce cadeau, il est invisible. Vous n'allez pas le voir. Mais l'Esprit de Dieu est là, ça m'aide à recevoir. Tiens ce cadeau. Mais deviendra tangible quand tu le recevras dans ton cœur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour honorer ensemble la foi de ceux et celles qui se sont avancés. Amen. Alléluia. Ah, j'ai cru que tu venais prendre ton cadeau. J'ai cru que tu venais prendre ton cadeau. Alléluia. Le cadeau du Père Noël. Tu le veux? D'accord. C'est le meilleur cadeau qui existe. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Et ceux qui se sont avancés, vous allez faire cette prière avec moi de tous vos cœurs. Le Seigneur va vous entendre, écouter, et il va vous donner la vie éternelle. Jésus l'a dit, vous sondez les Écritures en pensant trouver en elles la vie éternelle. Oui, par ce grand témoignage de moi. Et il a dit, ces paroles ont été écrites afin que vous sachiez, tous ceux qui croient, elles reçoivent par moi, en mon nom, la vie éternelle. Donc répétez cette prière. Je vous conduis simplement par cette prière. Répétez-la de tout votre cœur. Père éternel,
Je conçois aujourd'hui que tu n'es pas un Dieu de la tradition, mais un Dieu de relation. J'ai compris ce matin que ce n'est ni par mes mérites, à travers la tradition, la festive de cette fête, que je pourrai te connaître, recevoir le salut éternel qui vient de toi. Mais je reconnais ce matin que tu es le seul Rédempteur qui est bien sûr venu dans ce monde pour naître dans un mangeoir et glorifier le Père à travers tout ce qu'il a fait, vécu et accompli selon la prescience arrêtée de Dieu le Père. Je crois pleinement que par le bénéfice de la croix, par le bénéfice de ton sang coulé pour moi, tu peux me racheter de toute offense et de me soustraire de la condamnation à venir. Je veux ce matin, solennellement, te demander pardon, Seigneur, pour tout péché que j'ai commis dans ma vie, loin de toi. Je te demande pardon pour tout mon égarement qui m'a gardé jusqu'à ce jour, loin de toi. Mais tu m'as dit dans ta parole de revenir à toi, car tu es un Dieu miséricordieux qui ne cesse de pardonner. Tu m'as dit de réformer ma voie. Et tu m'as dit également d'abandonner mes pensées. Je confesse que tu es le seul Seigneur, tu es le seul Sauveur, venir administrer la mort à ma place, la condamnation à ma place, afin que le châtiment qui est tombé sur toi me donne en retour la paix. Je veux recevoir cette paix. Alors, Seigneur, je te remets ma vie. Tant que je la gardais, j'étais dans la confusion. Mais aujourd'hui, je te le remets. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Pardonne-moi, donne-moi ton Esprit Saint, car je crois, Seigneur, que tu m'avais avec un objectif pour moi ce matin. C'était le cadeau du ciel que tu voudrais me donner. Je le reçois de tout mon cœur. Garde mon nom, Seigneur, inscrit dans ton livre de vie, et fais de sorte, Seigneur, que pendant mon pèlerinage terrestre, que je vis selon les injonctions de ta parole, et que ce nom ne soit plus jamais effacé. Accorde-moi la grâce de passer également la deuxième étape de ton salut, de passer par le baptême des eaux. Je te remercie, Père. Je crois que je suis sauvé. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je crois que tu m'as donné ton Esprit Saint, car tu le donnes à ceux qui t'obéissent. Je reçois toutes ces choses par la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restez, restez. Attends, attends. Viens. Restez, je vais prier pour vous. Amen. Fermez vos yeux, je vais maintenant prier pour vous. Père éternel, j'élève ton saint nom et nous te glorifions, mon Dieu. Tu viens d'ajouter
dans ta famille divine, des frères et sœurs, des fils et des filles. Ils t'ont dit oui, Seigneur, avec un cœur vrai, résolu, non partagé. Maintenant, Seigneur, par ta grâce, que tu lui donnes la force qu'il peut continuer à puiser dans cette grâce, tu les as faites. Car tu as mis une source d'eau en eux qui vient de toi, Seigneur Jésus. Apprends-les maintenant chaque jour à creuser dans ce puits que tu as mis en eux, afin de faire jaillir, mon Dieu, l'eau de la vie éternelle dans tout leur être intérieur, esprit, âme et corps. Apprends-les, Seigneur, à s'abreuver par cette eau, l'eau de ta vie éternelle, du pardon et de ta parole, comme un breuvage spirituel et éternel, afin qu'ils puissent apprendre à contredire, Seigneur, toute mauvaise pensée, toute mauvaise conscience, toute mauvaise œuvre qui était imprimée en eux avant, Seigneur. Apprends-les, Seigneur, à être transformés maintenant dans leur renouvellement, dans leur intelligence, afin qu'ils te connaissent vraiment qui tu es. Par la loi intérieure, Seigneur, l'onction que tu as mis en eux maintenant puisse les révéler la loi, Seigneur, qui vient de toi, qui vient de ton amour. Apprends-les, Seigneur, à fermer la porte derrière eux. Tu montes, mon Dieu, ne plus retourner dans quoi que ce soit qui attirait ta colère sur leur vie dans le passé. Maintenant, Seigneur, et ils sont devenus une nouvelle créature, et ils t'ont dit oui pour l'éternité. Et ils viennent, Seigneur, de signer un contrat avec ton alliance que tu as ratifié par ton propre sang. Alors délivre-les de toute captivité, de toutes les chaînes. Ils se sont enchaînés avant, naïvement, que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise toute autorité, toute manifestation dans le royaume des ténèbres qui animait leur vie. Toute charge que l'adversaire avait mis sur la vie, sur leur corps, sur leur santé, maintenant, sortez d'eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, continue à tenir leurs mains. Dans leur faiblesse, soutiens-les. Donne-leur la réponse adéquate en toutes circonstances, situations, atténuant dans leur vie maintenant. Et ils sont dans ton royaume. Tu as fait d'eux des citoyens maintenant de ton ciel. Alors maintenant, apprends-les à vivre avec cette constitution qui est ta parole et qui deviendra une lumière à leurs pieds pour chaque instant. C'est au nom de Jésus, Père, que tu les gardes, Seigneur, inscrits dans ton livre de vie, que le jour où tu viendras les chercher comme nous sur la nuée de gloire, qu'ils soient encore inscrits. Que nul ne peut les dérober à la chaleur de ton amour que tu as mis le comble ce matin pour eux. Et que cette année soit la meilleure des Noëls qu'ils puissent connaître dans leur vie. Merci mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, soyez bénis. Nous allons maintenant bénir notre Seigneur avec ce que nous avions mis à part.